Mes ongles sont pas faits, mes cils sont pas faits, la valise n'est pas faite. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver. Ça sera pas un weekly vlog, mais ça sera plutôt quelques jours avec moi. Aujourd'hui lundi, il est quelle heure? Il est 18h44. Donc ça sera une vidéo un peu préparation. La dernière fois que j'ai fait une vidéo comme ça, c'était pour partir en Guadeloupe. Bon là, on va pas à la même destination, d'accord? On reste en France. Je vais passer une semaine à Paris. Voilà, je vais faire une petite vidéo préparation parce que dimanche j'ai un baptême, mercredi j'ai un concert et puis après on ira dans des restos, on ira peut-être dans des parcs d'attractions, tout ça. Je dois faire mes ongles, voilà, j'ai un ongle qui est parti. Je dois me coiffer, donc là j'ai fait mon shampoing. Vu qu'aujourd'hui ben, c'est férié, les magasins sont fermés, donc je vais acheter mes mèches demain, on va se coiffer demain aussi. Je vous emmène dans ces quelques jours avec moi et puis voilà, je pense que ça va être assez sympa. Donc voilà, on se retrouve demain du coup pour la coiffure. Hello, aujourd'hui mercredi, j'ai pas filmé hier parce que j'avoue que j'avais plein de choses à faire. J'ai fait le ménage, tout ça, donc bon, rien de très passionnant, on est d'accord. Aujourd'hui, mercredi, j'ai un rendez-vous à 10h. Donc après mon rendez-vous, vu que c'est pas très loin d'Atlantis, c'est une très bonne chose, je passerai à Atlantis. Il me faut acheter des bijoux pour ma tenue de dimanche, de ce dimanche-là. Et puis après Atlantis, je vais retourner à la maison, acheter les mèches à côté. Et puis me coiffer parce qu'après il reste demain et après on part vendredi. Donc il faut que tout soit bloqué. Il faut que tout soit ok pour demain soir. J'ai commandé mes cils aussi sur Amazon hier. C'est censé arriver demain. Donc j'espère que ça va vraiment arriver demain. Donc voilà, je sais pas, moi je suis floue. Donc voilà, bon là il est 51, là j'y vais parce que je dois prendre le tram, j'ai 45 minutes de transport quand même. Donc on y va, à plus tard. Je viens de rentrer, il est il est 13h. Franchement, là, je vais manger parce que j'ai faim. Je suis passée acheter mes mèches, j'ai pris que 2 paquets comme ça. Je vais faire des nattes marron. Donc j'ai pris des mèches comme ça parce que je voulais vraiment que ça fasse un look naturel. J'en ai pris 2, je me suis dit bon, je pense que ça va aller, mais au pire si on n'a pas assez, ben, j'irai en acheter demain vu que demain je suis à la maison. Je suis passée à Mango. J'ai pris un parfum, enfin c'est une autre toilette. Donc j'ai pris une autre toilette comme ça. Ça sent trop bon, ça s'appelle la Fiesta Intense. Je suis passée à H&M. J'ai pris un lot de bagues comme ça pour aller avec ma tenue de dimanche. J'ai pris un lot de chaînes comme ça parce que vu que j'aurai une chemise qui sera un tout petit peu ouverte, j'ai envie d'accessoiriser un petit peu ma tenue. Donc j'ai pris ça. Et aussi j'ai pris des perles parce que je vais rajouter des perles à mes mèches. Et puis voilà. Donc,
Là, je vais manger parce que j'ai faim, j'ai mal à la tête. Mais en fait, je pense vraiment que faire les magasins, tout ça, c'est vraiment pas pour moi. Je pense. Parce que là, je suis KO. Je vais manger. Et puis, on va commencer à se coiffer parce que là, je dois faire mes cils demain, je dois faire mes ongles. Il faut au moins que mes cheveux soient faits. Et peut-être que ce soir, on ira au cinéma. Donc, il faut que je me dépêche de me coiffer. Donc, on se retrouve plus tard lorsque je vais me coiffer. Je ne sais pas si vous allez bien me voir. Là, j'ai presque terminé. Et je voulais vous montrer comment je fais. J'utilise ce paquet-là. C'est des mèches qui se rapprochent de nos cheveux, quoi. Des cheveux crépus. J'en ai pris deux. Donc, je pense que j'en aurai assez puisque je les coupe pour deux. Donc là, j'utilise le deuxième paquet, en fait. C'est des mèches marron, c'est couleur couleur 30. Je sais pas si vous allez voir, couleur 30. Donc vous voyez, c'est des mèches comme ça. Et c'est des mèches que je coupe en deux parce que j'ai pas envie que ça soit hyper long. Vous voyez, ça m'arrive à ce niveau-là et c'est ce que je recherche. Je sais pas combien ça a coûté. 8,90. J'ai coupé en deux. Du coup, ça fait ça. Avant d'utiliser des mèches, je vais séparer mes cheveux. Donc là, il ne me reste pas beaucoup. Je pense qu'il me reste peut-être 4 ou 5 rangées, un truc du genre. Voilà, je démêle bien. Ensuite, je vais venir prendre des mèches, comme ça. Je vais prendre une mèche. Je vais séparer en deux parce que là, tu vois, elle est trop épaisse. Donc, je sépare en deux. Comme ça. Du coup, ça me fait deux mèches. Et là, je pense que ça va aller. Et en fait, pour natter, ben, je fais comme les Knorless Braids, en fait. Je fais comme si je faisais des Knorless Braids. C'est-à-dire que je commence à natter avec mes cheveux naturels, comme ça. Hop. Et ensuite, je rajoute une mèche, comme ça. C'est exactement... la même technique que les Knorless Braids. Je pense que j'avais fait une vidéo comme ça sur ma chaîne YouTube. Donc je vous mettrai le petit i en haut. Mais après je sais pas si j'avais vraiment détaillé ou pas. Mais bon, sur YouTube vous pouvez trouver des filles qui expliquent hyper bien comment faire. Donc voilà, je laisse ça pour elles. Je vais vraiment jusqu'au bout parce que vu que je n'ai pas coupé après, il faut vraiment natter jusqu'au bout. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des perles. Donc des perles comme ça. Je vais en mettre une. Je vais en mettre trois de couleurs différentes. Donc il y en a une comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Comme ça. Et il y en a une toute simple. Comme ça. Alors, j'aime beaucoup, ça change. Oh là là, j'ai jamais fait de cette couleur là, jamais essayé cette couleur là. C'est une couleur marron, c'est la couleur numéro 30. J'aime beaucoup avec les perles et tout. Et je dois faire ma valise aussi parce qu'on part tôt vendredi. Donc il faut que la valise soit faite. Donc voilà. Donc je pense qu'on va se retrouver demain. Là je vais arranger le salon, tout ça. Et puis ouais. À demain. Oula, je vais tout casser.
Aujourd'hui, jeudi, il est 9h, donc on part demain. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mes os sont pas faits, mes cils sont pas faits, la valise n'est pas faite. J'ai fait mes ongles. Voilà, mes ongles sont faits. Je suis contente. Je vais ranger un petit peu l'appart là. Descendre les poubelles, tout ça. Et ensuite, je crois que je vais préparer la valise. Ok, donc là je viens de filmer un TikTok, un petit TikTok ASMR, tout ça. J'aime beaucoup. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis très très active en ce moment, TikTok, Instagram, YouTube et tout. Mais c'est parce que j'ai envie quand même d'évoluer un petit peu sur les plateformes, surtout Instagram, parce que je stagne énormément sur Instagram. C'est un truc de ouf. Il est 12h52, je suis passée à Auchan et je suis passée aussi... Tom & Co pour la litière du chat. J'ai pris quelques petits trucs pour demain, pour partir. Et comme j'ai pas trop envie de cuisiner, de faire à manger, de salir la vaisselle et tout parce qu'on part demain, j'ai acheté des sushis comme ça pour manger maintenant. Donc voilà, je vais faire ça. Et puis là, j'étais un petit peu trop près de vous là. Je vais faire ça et puis. Ouais, il faut que je commence le montage aussi. Oh mon Dieu, il faut que je commence le montage de ce vlog parce que sinon, il ne pourra pas sortir pour dimanche. Donc voilà, je pense que cet après-midi, ça sera full montage. Montage vidéo, montage réel. Et j'ai un TikTok aussi à monter. Donc on va s'y mettre, on va s'y mettre. Donc là, je vais manger. Et puis on se retrouve soit plus tard ou soit demain. Alors là, je suis dans un cadre totalement différent. Je suis déjà arrivée à Paris, mais je ne voulais pas vous laisser comme ça. Je voulais quand même conclure la vidéo en face cam. J'avoue que ce matin et hier, j'ai vraiment pas trop eu le temps de vous prendre. J'étais vraiment trop stressée. Il y avait des petites choses à me boucler, tout ça. Donc bon, bref, l'essentiel, c'est que tout soit fait et qu'on soit bien arrivé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que je vais vous filmer un weekly vlog que je vais commencer maintenant d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me suivre sur mon Instagram aussi parce que je suis de plus en plus active là-bas. Et sur TikTok aussi parce que je poste des TikTok assez régulièrement, des tutos coiffure, tout ça. Donc voilà. Bah, je vous dis à tout à l'heure du coup parce que je vais commencer... le weekly vlog maintenant, du coup j'aurai la même tête, vous inquiétez pas, c'est normal. Anybody who can help me, I don't think my heart is working lately.